Il y a quelque chose qui manque, place de Brouckère, comme un détail qui fait la différence, mais quoi? Ah. Oui. Ce machin là-bas, tout en haut. C'est quoi qui a bougé? Bah, il s'est installé. Il y avait quoi là avant? Ça, je ne me rappelle plus. Une enseigne? Coca-Cola. Et oui, l'enseigne aux couleurs de la célèbre boisson gazeuse a définitivement quitté son poste ce week-end au sommet de l'ancien pavillon du Continental, propriété de la ville de Bruxelles. Elle y trônait depuis les années 50, avant de passer à l'animation, 20 ans plus tard. Mais voilà, elle sera définitivement remplacée par une nouvelle structure de 10 tonnes et demie, pas une mince affaire, équipée de lampe-LED. Ça consomme moins que l'ancienne structure qui était néon et qui consommait quand même pas mal de watts tous les jours. Puis l'écran, il peut être animé aussi, c'est tout à fait dynamique. Bien sûr, c'est une télévision, donc on peut y mettre ce qu'on veut, on peut y mettre du direct, on peut, je dirais, passer des animations, on peut passer des films. Le bail avec la ville a été renouvelé en mai pour 9 ans, après une hausse du prix de la location, 10 000 euros par mois. Et après un débat, fallait-il maintenir là cette publicité installée avant l'entrée en vigueur des règles urbanistiques? Ce sera oui, mais oui, à une publicité fixe. On a eu un débat au niveau du collège, bien sûr, qui est reporté dans 3 ans, donc par rapport à des images dynamiques, passer des événements sportifs par exemple sur l'écran, pourquoi pas. Mais je crois qu'on ne peut pas s'abstenir d'un vrai débat dans 3 ans, dans la mesure où on pourrait éventuellement regrouper autour de la place de Brouckère une espèce de mini Times Square où on aura peut-être de vraies enseignes vraiment localisées sur la place pour des événements sportifs. Mais la question ne sera pas reposée avant 2014. Quant à l'enseigne, il faut savoir que c'est un oiseau qui a eu raison d'elle. Le volatile avait causé une panne du système électrique en 2006. Elle a fini en pièces détachées. Triste fin pour une dame si haut perchée.